Détendez-vous, mon vieux. À aucun moment il n'a réellement touché votre fille. Dans notre univers familier, deux objets solides distincts ne se touchent jamais vraiment à l'échelle atomique. Le centre de chaque atome est occupé par un noyau minuscule autour duquel tourne un nuage d'électrons chargé négativement. Quand les atomes du garçon et de la fille se rapprochent, les charges de leurs nuages d'électrons respectifs se repoussent. Plus de 99,9% de la matière de tout atome se concentre dans son noyau. Le noyau est entouré d'un nuage d'électrons produisant un champ de force invisible qui joue un rôle d'amortisseur. La configuration d'un nuage d'électrons est caractéristique de l'élément auquel il se rapporte. Dans le monde où nous vivons, les noyaux de deux atomes ne se touchent jamais. Quand nous croyons toucher un objet, ce ne sont que nos champs de forces invisibles qui repoussent ceux de l'objet en question.